Sleigh bells ringing, diamonds blinging, carols singing, favorite season. Sleigh bells ringing, diamonds blinging, carols singing, favorite season. They said, say Nick, what you got up in that bag, yeah. I got racks, racks in my sack or in my back, yeah. They said, say Nick, what you got up in that bag, yeah. Racks in my sack or my bag, yeah. I'm frozen, neck is frozen. Catch me rolling, I'm the chosen. Snow is falling. Hello tout le monde, aujourd'hui nouvelle vidéo, nouveau vlog, nous sommes le 20 décembre. Je suis toujours aussi contente de vous faire des vlogs bas tous les jours. Aujourd'hui c'est une vidéo assez cool parce que vous m'avez beaucoup demandé de faire quelque chose à Versailles, vu que j'habite à Versailles, et comme ça on pourra aussi en discuter parce que vous me posez plein de questions à ce sujet là. Il y a carrément des gens qui pensaient qu'on ne pouvait pas vivre à Versailles. On va aller au château, je vais vous montrer un petit peu la ville, et surtout je rêve de faire un truc depuis que j'habite ici, c'est au château de Versailles. Et c'est, est-ce que je vous le dis maintenant, de la voiturette. J'en rêvais vraiment, je vous jure. Pour ceux qui ont vu les vlogs de cet été, vous savez très bien que j'ai une passion pour les voiturettes. Donc ce matin, moi j'ai bossé toute la matinée comme d'hab pour la vidéo qui sort ce soir. Il y a Jérémy qui va arriver, il a pris un petit truc à manger avant qu'on aille au château. Ça me fait rire de dire ça, genre oui on a pris des sandwichs juste avant d'aller au château. C'est grave, on en reparlera un petit peu plus tard. Mais Versailles, je vous jure, c'est un mood assez spécial. Franchement il y a trop de trucs à dire. Ah, je vais vous poser là. Avant de commencer cette vidéo, sachez qu'elle est en collaboration avec TikTok. Et oui, tout est possible. Je pense sincèrement que vous la connaissez. Il y a de plus en plus de monde sur TikTok, notamment depuis le confinement. D'ailleurs, moi j'ai un TikTok. Si jamais vous voulez aller me suivre, c'est Andiella, comme sur YouTube. Moi j'aimerais beaucoup développer le côté food. Je trouve que le côté food, c'est ce que je préfère sur TikTok. Après, est-ce que ça vous étonne? Je ne pense pas. Et d'ailleurs, à ce sujet là, je vais vous montrer les gens que je suis, que j'adore. Je vais vous montrer ma TikToker préférée. C'est Poppy. Poppy, elle fait des vidéos de food où elle mange. En fait, c'est une fille qui est ultra attachante, je trouve. Mais moi, je suis totalement fan de ce qu'elle fait. Quelqu'un d'autre que j'adore et que vous connaissez, qui est déjà apparu sur cette chaîne, c'est Poxy. Elle me tue de rire, vraiment. Elle est trop drôle. Elle fait que les conneries. J'aime trop son contenu. Vous pouvez suivre un petit peu qui vous voulez. Moi, c'est vrai que j'aime bien, comme je vous ai dit, suivre des personnes que j'aime et aller voir uniquement dans mes abonnements. Parce qu'après, vous avez les pour toi et pour toi, ça montre un petit peu tout ce qu'il y a dans votre pays directement. C'est cool parce que du coup, vous pouvez vraiment aussi faire le tri sur ce que vous voyez. Au niveau de l'utilisation, du montage, etc., tout peut se faire sur TikTok. Par exemple, là, je vais vous montrer si jamais je veux faire un TikTok. Donc, j'ajoute ma vidéo. On met suivant. Donc, ça, c'était le lever de soleil à New York. Trop beau. Et là je vais faire un petit peu de montage parce que je veux que la vidéo commence quand le soleil arrive parce que c'est plus sympa. Hop, on met suivant. Et ensuite vous pouvez ajouter de la musique. Bon, ça on va pas le faire parce qu'il y a des droits d'auteur sur YouTube, mais vous avez compris. Vous pouvez même ajouter une voix off. Je peux parler comme ça, Isa va faire une voix off. Vous pouvez aussi ajouter des filtres, ajouter du texte. Le lever de soleil à New York. Vous pouvez changer la couleur. Et voilà, vous avez votre vidéo toute prête. Vous avez la possibilité de faire plein de choses. Et moi ce que j'aime beaucoup sur TikTok, c'est surtout le contenu vraiment créatif, du contenu humour, du contenu food, en fait des contenus recherchés. Je suis plus dans ce genre de truc sur TikTok. Si jamais vous n'avez pas encore l'application, n'hésitez pas à cliquer sur le lien qui est en barre d'infos pour la télécharger. Je crois que c'est la première fois que je fais un partenariat avec une application et je trouve ça très cool. Ça change un petit peu de d'habitude. Enfin voilà, pour cette petite aparté, nous allons reprendre nos histoires. Jérémy va arriver, on va manger. Vous savez ce qu'il a acheté? Il y a des sandwichs tomate mozza ici, incroyable. Je vais manger ça, je vais faire un peu de montage et on va y aller. Jérémy est arrivé, c'est trop fin. C'est du jambon avec de la tomate et de la mozzarella. C'est incroyablement bon. On arrive au château, il fait tellement froid, vous avez pas idée. Je suis trop contente de voir ce qu'on va faire. Normalement, on va faire de la voiturette. Il propose, c'est combien, 1h36 l'heure. Et comme ça, on vous fait visiter le château en même temps, qui est juste là. Il y a personne dans la ville, c'est un truc de ouf. Et après, je me suis dit que ça pourrait être cool de répondre à quelques questions par rapport à Versailles, par rapport au prix, par rapport à la vie ici, pourquoi j'habite ici, pas à Paris, etc. Parce que ça en intrigue beaucoup. Je veux une voiturette. Après tu me laisses conduire. Je rêve d'un petit plaid là sur moi. C'est trop beau en tout cas. Ça bouge, Jérémy sait pas conduire. Ça drifte. Je te vois que tu peux la retourner. Hop. Casse de tes.
Ok, let's go. Oh, ça grommait. Oh, ça En vrai, c'est grave cool à faire. C'est un peu cher par contre. Il fait très froid, mais c'est très cool. Virage de la mort. Wouah, vas-y. Honnêtement, je pense que quand je mets une voiture, je vais conduire comme ça. Fumer ta tête avant ton accident de voiture. Maman, mon testament, je vais maintenant. J'espère que je suis sur le testament. Mal regardé, j'ai fait un sourire. Comment j'ai peur? Moi aussi j'ai peur du coup. Tu veux que je sorte? Non. Je te guide? Non, non. Vas-y. Non, j'ai pas besoin d'un guide. Vas-y, je vais te guider. Regarde, ça... non, en vrai ça passe. Regarde, wow. Regarde, ça passe de ouf. Wow. Tu vois? Genre, permis si tu veux. Faut que je me mette derrière. Puis tu vas te prendre le toit. Let's go. Doucement sur les dodanes quoi. Surtout celui-là, c'est le plus hardcore. Attention la tête. Où est-ce que je dois aller là? Je comprends pas. Vas-y, je vais passer devant. Oh, il y a le mec des voiturettes, mais t'es malade. T'es vraiment trop conne. T'es vraiment une bouffonne, c'est un truc de ouf. Regarde comment je suis posée. Ouais. On n'en peut plus, il fait trop froid. On rentre. Je ne sens plus mes pieds. On est rentré. Et Jérémy a décidé de faire des chocolats chauds. Et on a même des Kit Kat au matcha. Alors tu fais juste les chocolats chauds et tu mets pas les chamallows et tout. C'est moi qui fais. Tu fais toute la pire partie. Exactement. On va mettre des chamallows, je t'attends pas. Vas-y, donne, tu vas pas parler. C'est ce que j'ai envie de manger. Une fondue. Il est bien, non? J'ai trop envie d'une fondue. J'ai une bonne idée. Tu sais, les fondues toutes prêtes. Non, mais je sais que ça a l'air dégueulasse. Mais un jour, si ça existe, un jour, avec mon père, on avait trop envie d'une fondue, on avait rien pour le faire. C'était genre les magasins les fermés. Et un jour, on a trouvé ça. C'était genre une fondue toute prête. On s'était dit, c'est sûr que ça va être dégueulasse. Genre, je vois pas comment ça peut être bon, un truc tout prêt, genre une fondue, faut que ce soit du bon fromage et tout. Je vous jure que c'était bon. Et tu l'as fait dans quoi? Dans une casserole. Oh, j'ai trop envie de faire ça. Mais faut acheter du pain. Il faut y aller en acheter. Non, par contre, c'est énorme. Non. Mais c'est une super bonne idée. Ça va sentir ultra mauvais dans ton appart. Mais non. Oh, waouh. Waouh! Je trouve le poulain, il est incroyable. C'est incroyable. Ouais, c'est trop bon. Les Kit Kat, c'est tout petit. Kit Kat au matcha. Waouh! Ça sent bon, hein! Ça a grave un bon goût de matcha. En 24 heures, je mange que des Kit Kat. L'horreur, là, tu te suicides. Fais gaffe, il y en a qui vont prendre l'idée. Je pourrais trop manger des crêpes salées ce soir. Il y a un truc que j'aime trop. En fait, ma mère, elle fait ça parce que je sais pas si vous le faites aussi. Toi, tes crêpes salées, c'est des galettes, genre. Bah ouais, genre de sarrasin. Ouais. Et bah moi, ma mère, elle m'a toujours fait des crêpes avec de la garniture salée, tu vois. Ça, c'est. Et bah, c'est. Ah, mais c'est hyper bon. Et là, je pourrais trop manger ça ce soir. Dis-moi qu'il y a une fondue quelque part dans cette ville. Jérémy est allé acheter des bêtises. Donc, je me suis dit que j'allais pouvoir vous parler un petit peu de Versailles. Juste répondre à deux questions qu'on me pose tout le temps. Enfin, la question qu'on me pose tout le temps. Pourquoi j'habite à Versailles? Moi, j'habite à Versailles parce que quand j'ai rencontré Jérémy, je cherchais un appartement. Et je savais pas trop où aller. Lui il habitait ici depuis toujours. Et il m'avait dit franchement c'est grave fou comme ville. Viens habiter ici. Et j'ai trouvé un appart ici. Donc j'ai emménagé et je suis plus jamais repartie. Donc ça fait 2 ans et demi je pense à peu près. Donc Jérémy a vécu toute sa vie ici. Moi pas du tout. À chaque fois les gens se disent un truc sur moi. Ils se disent que je suis une vraie Versaillaise. Une grosse bourge qui vient d'une famille de riches ou je sais pas quoi. Alors pas du tout. Oulala, loin de là. J'ai vraiment eu un coup de cœur pour Versailles. Parce que bon déjà c'est magnifique, on va pas se mentir. C'est un petit peu moins cher que Paris. Ça dépend quand même des quartiers, mais globalement c'est quand même un petit peu moins cher que Paris. Si vous prenez les transports, vous êtes à 12 minutes de Montparnasse. Et surtout on s'y sent en sécurité. Il y a l'armée partout. Je sais pas, il y a un mood, c'est très calme. Il y a que des familles, je sais pas. C'est assez chaleureux comme ville, on va dire. Après c'est très cliché, hein. C'est comme vous l'imaginez, c'est un peu comme ça. Mais c'est pas dérangeant, au début je pensais pas vraiment aimer et au final moi c'est pas quelque chose qui me dérange particulièrement. Après les points négatifs, on va dire, c'est que quand même tout est cher, faire ses courses c'est cher, etc. Donc ça c'est les points un peu négatifs du truc. Et aussi tout est vieux. Après c'est un petit peu comparable à Paris honnêtement, sauf que t'as pas la même vie, c'est à dire que c'est beaucoup plus calme, beaucoup plus aéré. Et l'autre point négatif c'est que ici tout est construit sur des barricades, donc tu ne peux pas vivre au rez-de-chaussée, sinon tu tombes malade je pense. Et je pense, je suis sûre même, vu que je suis tombée malade vu que j'habitais dans un rez-de-chaussée. Ça c'est le gros point négatif parce que tout est très humide, tout est très vieux. Bref voilà pour Versailles, vous me demandez tout le temps. Et c'est vrai que quand on dit Versailles ça fait très Versailles, mais en vrai c'est une ville comme une autre.
autre. Moi j'aime vraiment le mood de sécurité, de famille et de tout est beau. Mais voilà, comme ça vous savez un petit peu. Et on n'est pas obligé d'être très riche pour habiter à Versailles, ça c'est autre chose. Ok, Jérémy est rentré des courses, regardez ce qu'il a acheté. On va tester pour vous. Ça, je sais pas, j'ai vu des avis sur internet, c'est bon. Jérémy il est obligé de lire un avis avant d'acheter, c'est insupportable. Si on n'avait pas lu les avis, on serait allé chez Picard et on aurait pris la pire fondue de la terre entière vu qu'elle a 50 avis, disons que c'est le pire produit de chez Picard. Ok, on peut manger ou pas là? Je vais sentir là. Oh sa mère. Allez. Ok, t'es prête pour le truc le moins glamour de mais la terre? Mais oui, je sais ce que c'est, mais je te promets que ça va être bon. Voilà notre fondu avec nos morceaux de pain et nos fourchettes. Ça sent grave bon. T'as vu comment c'est trop bon? C'est bon hein. Tu me croyais pas? C'est trop bon. On sent le vin de ouf. Mais oui, c'est hyper bon. Tu me croyais vraiment pas? Je vous jure, il faut que vous goûtiez. Il est 1h du matin, l'heure pour moi de vous dire au revoir. J'espère que ce vlog vous a plu. La fondue, elle était incroyable. Si vous aimez ça, vous devez absolument goûter. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si jamais c'est pas déjà fait. Je poste une vidéo par jour pendant tout le mois de décembre maintenant. Est-ce que ça vaut le coup de dire encore ça alors que ça y est, c'est presque fini. Il reste 3 vidéos, je crois. Et activez les notifs pour pas en louper. Et n'hésitez pas également à me suivre sur Instagram, je suis active tous les jours. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et je vous dis à demain à 19h dans une prochaine vidéo. Mouah. It's calling me.